Me quedamos veridor en el maizán. Zambuid, jiejireo. Amame se lo va dentro que ahora sonrío. Zambuani. Machi de las ididia. Thunder or the hidden fin, or the maulaniu or the aegean. Donc Moussa, à Gioxer, une nouvelle vie professionnelle commence. Exact, ouais. Comment Guérou est venu vous dénicher? Quel a été le discours, le premier discours de Guérou avec vous pour vous convaincre de signer à la Gioxer? Non, c'était pas... Le seul discours que j'ai dit à la mi-temps qu'il a amené avec eux, Auxerre, Malzer, là on a joué à 3, il a dit votre numéro 8 m'intéresse. Je portais numéro 8, j'étais capitaine d'équipe, le temps avec un Zaneril, il a pris une mi-temps en bulk. Après, il ne m'a même pas recruté, donc pour vous montrer comment les gens recrutent, déjà après on avait deux autres matchs, bah, deux autres personnes différentes. Hein. Exactement, bah, un match contre Tours, bah, son adjoint, un autre, le troisième match, bah, le directeur du centre de formation. Après, avec tout ça, il m'a invité à jouer un match avec eux, avec, à Auxerre, pour décider comment il a décidé de me recruter. Donc, pour te donner la façon comment les gens recrutent. Quoi. Après, voilà. Après, Moussa, il fallait passer par la réserve du club. C'était dur parce que ça y est, ben là. Déjà, Marie, il y a certains journalistes, je me rappelle très très bien, ils que Moussa Saïb a signé un contrat amateur. Justement. Un Algérien qui part jouer en professionnel à l'époque, il dit que même chez tous les clubs amateurs ou les non. Mais d'abord, je voulais être professionnel. Il a signé un contrat amateur, ou je sais pas moi, bah bof. Moi, comme on dit, moi je sais ce que je veux. C'est vrai, au début, parce que moi je signais un peu en retard, mais c'était le championnat Kembed était à France, hein, où l'équipe elle était faite. Donc ils ont fait une préparation, ils ont guéri dans l'équipe Diallo. J'étais toujours, à l'époque il y avait 16 joueurs, dans les 16 j'étais, des fois je rentre, des fois je ne rentre pas. Mais il fallait que je c'est vrai, qu'il international, champion d'Afrique, champion d'Algérie, gagne tous les titres. Tu te retrouves jouer avec en réserve, en équipe B. Ça fait un peu dur, hein, quand tu y es. Hein. Il faut avoir des nerfs solides. Hein. Bah, Sbort une année. Après, c'est vrai, vers la fin. Oh, Moussa, Sbort, ça. Sbort, oui. Sbort, d'accord, mais à un moment donné, Moussa a craqué. Ce matin-là, c'est vrai. J'ai signé un contrat. C'est un contrat de 4 ans. Au bout d'une année, même j'ai fait des apparitions en Coupe d'Europe, quand la Coupe de l'UEFA à l'époque. Oui. J'ai joué même la demi-finale contre Dortmund, toujours, cette année. Demi-finale. On a joué une demi-finale. Ou là, un quart de finale. Quart de finale. Je pense que c'était un quart de finale face à Dortmund. On a gagné 2-0, on a perdu au penalty. Ouais. Donc, je fais des apparitions, même en championnat, j'ai joué des matchs au Hagda. C'est vrai, je sentais qu'il y a un déplacé. Parce que les apparitions de Tom, c'était satisfaisant. Mais comme Guérou, il n'aime pas trop changer, un de l'équipe Diallo, robot, c'est robot, mais il n'y a pas. Donc après, je voulais quitter, et comme le hasard ne vient jamais seul, il y avait à l'époque, il y avait des tuiles, on jouait le même poste. Et des tuiles, c'était considéré à l'époque, c'est l'espoir du football français. C'était l'un des meilleurs interdroits pour que les gens comprennent. Voilà. C'était un joueur convoité par des grands clubs. Ah bah oui, il était international français, il était titulaire, c'est un très bon joueur. Kivesh Derl, il avait un contact à Marseille. Guérou, donc il n'a pas hésité de le vendre. Ouais. Je me rappelle Kimel Yoma, Djal Yeldar, il est venu chez moi, c'était en été. Il m'a raconté l'histoire. Avant de partir les vacances, il a dit voilà, des tuiles, il va partir à Marseille. Maintenant, je compte sur toi, c'est à toi de jouer. Et depuis.
بدلت الراي كما يقولوا باش با فوالا دونك اون ديري اون ديري لاتوندي لو بون مومون استنى ولا كش ما حس ولا هكذايا قال لك فوالا قال لي ماتنو جو كونت سور توا سا تو جوي فينال دو كومباردلا رومبورتي افيك اوكسير نو Moi, je me rappelle même pas, sincèrement. C'est là, comme, c'est là que Guéraud... comme j'étais un peu énervé, voilà, donc voilà. Après. Donc, Moussa, juste après, ça a enchaîné en 95, finale de Coupe de France. 94, finale de Coupe de France. C'était le premier titre de la GIA. C'est en 94 où on a gagné la Coupe de France, où j'ai marqué le premier but, on a gagné 3-0. Justement, il y avait un travail dit avec les deux tontons. Tu t'es appuyé sur Batik, il m'a regardé que j'ai le ballon. Il a frappé. Mais dès que met Après, moi, j'ai suivi. Ouais, j'ai marqué le but de la finale, premier but. Et c'était le premier titre du club de son histoire, quoi. Après l'accession, quoi. Donc, après, c'était le premier titre. Ouais. Ou ça, après, c'est une lourde responsabilité de jouer avec des Coca, Batik. Les grands joueurs, pour ne citer que cela. Sans prétention, j'avais ma place. Donc, sinon, pour te faire jouer en professionnel, pour un étranger qui vient, il faut que tu fasses le double d'effort qu'un Français, quoi. Donc, moi, alhamdoulilah, je... Donc, Moussa, بزاف الناس اللي عايشين هنا ولعبوا هنا يقول لك non, en France, يعطيك la chance d'y aller, c'est pas vrai. Est-ce que Moussa en a dit ça les joueurs binationaux? On doit être trois fois meilleur. T'as la gentille, deux fois meilleur. Est-ce que c'est vrai pour un étranger? Ouais. Bah, il préfère quelqu'un de où il n'y a pas trop d'investissement. Quand il ramène un étranger, c'est qu'un investissement, donc il faut lui trouver des trucs. La loi reste là. Trois étrangers, donc après pour jouer, c'était pas évident. Hein. Donc il faut bien casser la baraque. Si tu as égale valeur. Ils choisissent le français. Ah bah oui. Il y a moins d'investissement, moins de trucs, donc moins de problèmes d'adaptation, moins de problèmes de langue. Nous, ça va, on a la langue, ça ne nous pose pas de problème. Donc, Après, il y a eu l'année du doublé. Ouais. Tout le monde a fondé le PSG. Tu sais, le doublé, comme on l'a joué au début, à Bakfir-Auxerre, c'est monnaie courante de la maison. Donc, c'est toujours, on joue le maintien. Justement. Pour lui, Giroud, sa tactique, c'est quoi? La survie du club. Dès que j'assure la survie, je pense à autre chose. Ce qui est logique. C'est normal. Donc, je me rappelle, à 10 journées de la fin, on avait 10 points de retard sur le PSG. Le PSG était premier. Après, ça a changé. Donc, eux, ils ont fait des faux pas. On les a reçus chez nous, on les a battus. Et c'est de là qu'on a commencé à y croire. Moussa, vous avez enchaîné une incroyable série d'invincibilité en Ligue 1. Win Giroud, à chaque fois, il se dit, allez, Giroud, vous êtes à 4 points. Vous avez joué le titre. Et j'ai dit, non, nous, on joue. Maintien. Est-ce que c'était le même discours que les joueurs du vestiaire? Sincèrement, Moussa. Quand ils disent, à ma connaissance, on ne parlait jamais ni du titre ni du maintien. On parlait match par match, c'est de gagner les matchs, de ne pas les perdre. De faire de bons résultats, après en remontant le classement. Après, c'est nous, entre joueurs, c'est psychiquement, ça vient tout seul, donc tu t'approches du premier, donc ça te motive plus. Après, c'est là que tu commences à être drôle. Oh, ouais, jamais on a le titre. Mais il dit, je dis, sinon, il y a une pression ou la haja. Donc, nous, les joueurs, donc, il ne faut pas lâcher, quoi. Oui, ça, c'est incroyable. Un titre, juste après, Coupe de France, au la main, Tito Hakanik. Doublé. Moussa, on fait pas. Meilleur passeur, exactement. Meilleur passeur du championnat. J'étais deux fois meilleur passeur du championnat de France. Deux fois meilleur passeur du championnat de France. Je pense que. Attends, bah, je vais te dire quelque chose. Puisque c'est des gens m'aiment beaucoup chez Colo, donc ouais, là, pour l'affaire. J'ai fait 10 passes décisives à l'époque, et j'étais meilleur passeur où il y avait Zidane à Bordeaux. À l'époque. Justement, allez, tiens, éclaire, comme ça. Est-ce que. On a dans les passes décisives, bout de pause, là une passe décisive, c'est bien, c'est nos joueurs. Mais les gens oublient que Moussa Saïd va terminer deux fois meilleur passeur. Et à la clé, on va dire, un championnat, une Coupe de France. Moussa, qui fait Zidane dans un championnat, Moussa, qui fait les passes, les buts. Comment vous avez
Non, je ne suis pas meilleur que Zidane. Mais quand on parle de statistiques. Des statistiques, c'est vrai. Zidane à Bordeaux, ce n'était pas comme le Zidane de maintenant. Donc, après tout ça, ça rentre dans le palmarès d'un joueur. En plus, ce n'est pas moi qui a parlé de moi. Donc, c'est les gens ce qu'ils disent derrière toi. Mais pour moi, que les gens sachent, vous avez joué avec un emblématique capitaine d'équipe, Laurent Blanc. Qui est champion du monde. Tu sais, dans mon équipe, dans l'équipe où j'ai joué, il y avait 4 champions du monde. Il y avait Guy Varche, Charbonnier, Diomède. Et Laurent Blanc. Et bien sûr, Laurent Blanc, capitaine. Donc, tu côtoies des gens. Laurent Blanc, ou la Moudelab. حكم بوردو حكم ليكيب دو فرانس وراه حكم بي اس جي وموسى صايب بينا باس تشانس كيل لا ديفيرونس انتر فو با لا ديفيرونس تو سي او نيفو دو لا دي تي ان ان فرانس يي افي ايمي جاكي كونت ايز اون غاني لو شامبيون دو موند لا كوب دو موند دونك توت لا جينيراسيون 98 il les a bien encadrés, il les a conseillés pour faire des diplômes, pour les a aidés, les ont encouragés. وحنا لهنا malheureusement champion d'Afrique, champion d'Algérie. Enfin. Malheureusement, tu veux faire des trucs, va passer tes diplômes, passe. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je demande de l'aide. Aidez-nous en tant qu'ancien joueur pour servir son à ce pays, à l'équipe nationale. Mais il n'y a pas que moi, il y a des gens qui ont besoin. Comme ils l'ont fait ailleurs. 98, les Deschamps, les Laurent Blanc, les Zidane. Ils ne sont pas venus comme ça. Ils étaient conseillés par Aimé Jacquet, ils étaient couverts. C'est lui qui les a orientés à faire tout ça. Mais je comprends les dire hagdaya. Hna ya les anciens joueurs on dirait oh bah les anciens joueurs non, laisse tomber. Hna mazal hna tan les anciens joueurs, il faut dire ce qu'on est, on n'est pas solidaires entre nous. La génération de 82 elle parle d'elle, la génération de 90 elle parle d'elle, la génération de maintenant elle parle d'elle. Mais chaque génération que waqt waqto. Hna ya darna waqtna, donc enfin je peux parler de ma génération. Si tu veux parler de la génération, normalement, notre génération, c'est une génération à pour service. C'est une obligation, c'est notre devoir. Dans la période où les gens sont en train de se faire, ils sont en où le drapeau algérien est toujours plus haut. Normalement, il n'y a jamais eu de reconnaissance par rapport à cette génération. Oh là là là. Il n'y avait pas les moyens, il n'y avait rien du tout, mais on venait pour défendre les couleurs. Très, très bien. Donc, c'est pour ça que au moment où on a ce gâteau, il y avait la guerre civile, donc il y avait le truc. Donc, et avec tout ça, tu te déplaces, tu vas avec des problèmes. Nous, la billetterie, par exemple, nous, maintenant, tant mieux pour eux, c'est bien. Pour le moment, l'équipe nationale est très très bien encadrée. Nous, à notre époque, des fois, c'est toi qui avais acheté le billet de ta poche, des fois, tu fais la queue avec tout le monde, tu voyages des donc, fois. Tu ressens qu'on n'est pas reconnaissant, ça. Ma cache, elle est très dire pour les anciens, oui. On dirait, on gêne, on dérange, je ne sais pas. Il n'y a même pas eu d'invitation pour les gens, pour les anciens, pour venir voir un match ou autre chose. C'est ce qui se fait ailleurs. Malheureusement. Malheureusement, chez nous, non. Kaina Hadja Moussa, moi, je suis la Ligue des Champions à Auxerre. Petite peine en Europe. Des grands clubs. Kano Mourak. Très bien. D'accord. C'est vrai. Je connais les clubs de moi, les vraiment. C'est vrai, j'ai. Concrètement, Moussa, je connais pas de la presse. Concrètement, en France, Marseille, PSG, Bordeaux. J'ai plus de contacts directs entre Marseille et PSG. PSG, je me rappelle, j'ai discuté même avec eux et tout, mais après, l'entraîneur n'arrivait pas. Là, qu'il y a deux clubs où tu ne vas pas y aller, c'est Marseille. Giroud, hein. Tu veux aller par où tu veux à l'étranger. En plus, après... Ça fait Giroud avec Marseille, PSG, c'est non. Il ne veut pas me libérer. Voilà. Tu restes là. Donc, je suis resté. Après, il y avait des contacts à l'étranger. L'étranger, tu es d'accord. Tu n'es pas pour... Tu n'es pas... Il ne s'y opposait pas. Donc,
je me rappelle, c'était en 96, oui, quand on a gagné le doublé. Il me restait un an de contrat avec, avec Auxerre. J'avais un contact avec Arsenal. J'ai signé un pré-contrat avec Arsène Wenger en personne. Ils sont venus, exactement, ils sont venus à Paris, on a discuté, on a tout finalisé. Après, j'ai changé d'avis. Moussa, justement, qui fasse Arsenal avec le Wacht, c'était quand même peut-être tâtonné le top fort à l'Angleterre. Exactement. D'accord. Ouais. Laisser Arsenal pour aller à Valence. C'était un challenge sportif ou, il faut être sincère, c'est financier ? Non, sincèrement financier, c'était la même chose. D'accord. Ni plus ni moins. Le challenge, c'est ni challenge, tu sais, on a qui dit même avec le France, dans le but de travailler un laps de temps, de revenir en Algérie. Je ne me suis jamais mis dans la tête, ben, on a à l'étranger ou là, derrière. Donc, on a dit Arsenal, c'est l'Anglaise, l'Angleterre. Valence, c'est l'Espagne. Sachant que le climat en Espagne, ou le climat fédéral, c'est kiff-kiff. Moi, j'ai trop souffert du froid en France. En plus, j'avais 28 ans, j'ai un contrat de 4 ans. 32 ans, comme le contrat derrière, entre le Zer, salam alaikum. Voilà pourquoi moi, j'ai choisi Arsenal. En plus, c'est deux grands clubs. J'ai choisi Valence. Ah, pardon, Valence. Elle s'est fâchée depuis. Parce que, on voit que la LIA, avec le WART, avec le CLAS, après, ils ont pris Emmanuel Petit à la place. Voilà. Donc c'était quand j'ai fait rebond, j'ai fait un fort rebond pour lui, donc elle a choisi. Non. Depuis après c'est entre moi et le manager, donc je dis non. Je préfère aller à Valence d'Espagne. Il y avait aussi à Valence un certain Romario, la grande vedette. Il y avait une très très grande équipe à Valence. Ortega. Si je vais te citer les noms, avec les jeunes d'Atlantique, mais ça marche bien, on va qu'elle là. Il y avait Zubizarreta dans les buts, qui était, tout le monde le connaît. Ouais. Il y avait Angloma. Angloma, c'est un français international. Carbone, c'est un international italien. Il y avait Romario, Ortega, Claudio Lopez, Mendieta. En plus, il y avait un entraîneur emblématique aussi, Jorge Valdano. Jorge Valdano. Donc c'est lui qui était entraîneur. Bon. Exactement. On a déjà un certain Claudio Ranieri. Et voilà. Et Claudio Ranieri, c'est un Italien. Et qu'est-ce qui ne va pas? Où je me cherche Ranieri, au début, je jouais. Après, dans tous les championnats, ils font des statistiques. J'étais parmi les meilleurs dans l'équipe. Comme moi, défensivement, j'aime pas trop défendre. Et lui, il a ramené un peu la rigueur italienne. Voilà, donc après, c'est pour ça qu'elle a changé. Donc, je rentrais. Ça n'avait rien à voir un problème bien personnel. À l'année, oui. Non, j'ai aucun problème. Il te respectait. Il y a un respect mutuel. Donc, Parce que la presse espagnole a beaucoup parlé. Avec Valence, Diabto, pour un prix, elle a mis le prix fort pour avoir Moussa Saïd. D'accord. Oui, exactement. Alec, Ranieri ne le fait pas jouer pour jouer la défensive. D'accord. Au début, j'ai joué. Justement. J'ai joué à la 11 ou la 12 matchs en tout. D'après les statistiques, les chefs, tu as 14 matchs. 14 matchs, ben voilà, tu es mieux renseigné que moi, c'est bien. Tu me fais. J'ai vu tes statistiques. Donc j'ai joué 14 sur 16 matchs dans la phase aller ou les 15 matchs. 18. Sur 18. Donc après, j'ai quitté, vers la phase aller, j'ai quitté. Fait la trêve. Donc, je jouais, donc quand tu fais les statistiques, j'étais parmi les meilleurs, j'étais pas ridicule. Donc, après, c'est lui qui est son schéma, je ne rentrais pas dans son système. D'accord. Il faut trop défendre, il faut ça, pour mon poste. C'était après, j'étais mal conseillé cette année. Je le reconnais. Mal conseillé, c'est quoi Est-ce que tu regrettes, par exemple, le Guéritech qui m'a crié Charles Soleiman. Exact, ouais. C'est à refaire, oui. Je ne ferai pas la même destination. Si c'était à refaire. Si j'étais, par exemple, c'est pour ça maintenant avec les jeunes de maintenant, quand je leur parle, tu parles des agents, ce n'est pas tous les agents qui sont comme ça. L'agent, ce qui l'intéresse, c'est plus la commission qu'autre chose. Il prend sa commission, après, il n'est jamais derrière toi. C'est pour ça que moi, si j'avais des gens qui me conseillaient, non, ne fais pas ça, reste comme ça, fais ça. J'aurais dû le faire, mais avec une carrière. En Angleterre, ça aurait été plus facile parce que Bédarach, tu es Tottenham. Exact, ouais, Tottenham aussi. Arbitre de l'anglaise, tu as tout l'été l'anglaise. 6 mois après, tu as l'été. Mektoub. Pas maître de son destin. Mektoub, voilà. Ou qui m'a tout l'été le club rival d'Arsenal. À Tottenham, après aussi.
Bon, malheur je ne viens jamais seul. Donc, même à Tottenham, j'avais quelques problèmes au début. J'avais la blessure, j'ai fait Justement, 2 mois. une opération d'hernie discale. Après, quand j'ai repris, il y avait l'équipe nationale qui m'a convoqué. En 2000. Et j'ai mis à dos mon club par rapport à ça. Je suis venu Ah, déjà bien. après au latin. Moussa, il y avait un problème pour Tottenham. Convoqué au la Coupe d'Afrique, à dès qu'on me dit tout lit, opération. Même pas. Je commençais à m'entraîner. Oui, Ouais. titulé opération. Exact, ouais. Prêt à J'ai jouer. repris, ouais. Maintenant, l'équipe nationale, elle a dit non, ma trache. Qui non? À la période de la Coupe d'Afrique 2000. C'est Et vrai, puis, moi je. tu as refusé Non, en tant qu'Algérien, d'abdiquer. on a le pied dans le cœur. Donc on ne peut pas refuser, on ne peut pas tourner le dos à son pays ou à sa sélection. J'ai reçu une convocation, donc je dis, bah, je pars. Non, tu viens de reprendre, tu es encore blessé, clair, Voilà. non. Et malheureusement, j'ai dit, on ne me l'habitue même pas, on ne me l'abonne même pas. D'accord, exactement. Pardon. Donc après, j'ai tout perdu, donc après le club. Moussa, il y avait aussi certains de Hafid Tassouaout, Oui. l'Ibnac, Fouadji Auxerre. L'arrivée de Auxerre, elle s'est faite comment? Ben, je ne vais pas dire que c'est moi qui ai contribué à son arrivée ou la Hadjah Dokhla ou là. Il y a des égos entre moi et Hafid. هكذا يقولوا بينك Bon. وبين حفيد كانت يعني بعض الحساسية Non, وربما النجومية في الفريق الوطني s'il y avait des égos, نقدر نحرقه قبل ما يجي. Parce que Guélo, il m'a demandé mon avis, قال لي, qu'est-ce que t'en penses? ماشي على الكوتي فوتباليستيك ديالو على العقليه ديالو كيفاش نقدر كون سيتي هكذا نقول له نو كيلكان كي فوالا سون كاركتير جو دي نابورت كوا مي موا نو كونترا جو دي انكوراجي جي بارلي كو دو لا فيريتي بو سور لوي حافظ ثاني وليد فاميليا دونك تو الموند لو كوني ماشي دوكا اللي حنا نهضر عليه بلي انسان عاقل وكاع هكذا دونك يا العقليه ديالو تهضر عليه هو سون ايديكاسيون كي بارل دو لوي C'était un bon joker à la Juxtap. On l'appelait le joker de luxe. Chaque D'accord. fois, après, même le club s'est adapté à ça, à le faire jouer remplaçant. Chaque fois, il rentre et il marque. Donc, Vous savez qu'il faut un tour d'adaptation. Probablement, quelqu'un de jeté d'ailleurs, j'y sais. Non, ben, même lui, ils sont en sécurité. Quand il y a quelqu'un, au lieu de bled, donc il peut compter sur toi s'il a besoin. Donc, sur le terrain, il n'y a aucun souci. Donc, l'adaptation, après, c'est à lui de la faire. Donc, s'il a besoin, moi, j'étais toujours présent pour lui. En plus, même, en sécurité, quelqu'un de titulaire ou les labs. Donc, tu es un peu indirectement protégé, quoi. Donc, étant un cadre de la Juxtap, Guérou, il t'a concerté, demandé la vie de Donc, moi, je me trouve exactement. Moi, je crois exactement. Là, je fais Que Hafid, mais il ne faut pas le recruter. À ton avis, donc, Non. s'il a signé avec Auxerre, c'est C'est que. qu'on a parlé que du bien de lui, quoi. Donc, D'accord. après, Belk Hafid, il ne le sait pas, ça. Donc, Justement. ouais, il ne le sait pas. Donc, après, bah, tant mieux. Tant mieux. Donc, il vaut mieux avoir deux Algériens dans un club qu'un seul. Donc, moi aussi, je m'appuie avec lui, je m'appuie en Taouno, donc il n'y a aucun souci. Ou Guérou, le kitab diallo Moussa, Il a fait un passage. là, le cas Saïd Boutasfaout. Malgré sur la carita, il n'y a pas que le foot dans la vie. Il disait que Moussa et Hafid m'ont obligé à lire le Coran. C'était par rapport à quoi, Moussa? À votre comportement, c'était. Oui, peut-être il y a notre comportement, qu'il est un peu curieux de connaître la religion musulmane. Il nous voyait Tema, donc on fait la prière et tout. Guérou. Ouais, la charia. En plus de ça, il y avait un autre truc, c'était plus par rapport au Ramadan. D'accord. En Ramadan, ouais, les gens ne comprenaient pas comment tu vas rester msbah, où tu fais le sport de haut niveau, donc qui n'est pas compatible avec le sport de haut niveau. Sachant que ton corps, il m'a donné un argument, voilà, une voiture qui n'a pas de gasoil ne peut pas démarrer. Tu peux pas, c'est comme le corps humain, si tu ne le nourris pas, il ne peut pas avancer, il ne peut pas donner de résultats, quoi. Et avec tout ça, comment elle a essayé de connaître l'islam, comment elle sait, nous, c'est pas. Donc elle a essayé de contacter le recteur de Paris pour voir s'il y a des dérogations pour le Ramadan, pour le faire ou ne pas le faire.
Et comme nous, dans l'islam, donc il y a toujours des dérogations qui me رخصة. rخصة, voilà. وفي الاسلام احنا ماشي تاع القوه ولا اسم اسلام دين يسر ولا لا دونك هو واش قال قال له فوالا جي دي جوار مي سون مون سي با ايفيدون كيس كو جو دو فير بور باش ياكلو سيب لي الحل عطي لي انت كو توا كيف مصوفي الاخر قال له كاين في الاسلام كاين مسافر ولا مريض ولا مسافر قال له شحال قال له واحد 80 كيلومتر تشوف السفر تقدر تاكل Géraud, j'ai fait ou il a dit, j'ai appelé la très bonne nouvelle. Il a dit, voilà, on a une ville qui s'appelle Sens, qui a 70 km ou 80. Il a dit, tu as le droit de manger. Monsieur Géraud, je connais tout ça. Il a dit, voilà, belle, et l'arabe, c'est ma foi, c'est notre foi. Moi, je ne peux pas. Même si j'ai des dérogations, je ne peux pas manger. Après, de là, au contraire, il a bien compris mon message, donc après c'est lui qui me conseille ce que je mange, qu'est-ce que je dois faire, ou les vitamines, pour un peu donner un peu de force pour. Alhamdulillah, tout est rentré alors, dans la l'ordre. Génération Abdelhafid Tasfaout, vous avez fait la Coupe d'Afrique 2000. Ouais. C'était Nassar Sanjak. Nassar Sanjak, exactement, avec Hamimi Lahamou. Hamimi ou Abdelghani Jada. Exact. Le trio, Moussa, trio magique. Voilà, parce qu'on n'a pas donné cher de votre peau avant cette CAN, parce que c'était un groupe remodelé après une grosse déception. Et en plus, surtout qu'il y avait une raclée Vasco de Gama 7 à 0 contre l'équipe nationale. Donc, oh là là, c'est. On cause le choix du Brésil pour préparer la CAN. C'est la catastrophe. Alors la Coupe d'Afrique, elle est bestar. Donc, je me rappelle très très bien, il y avait Nasser qui était à la tête de l'équipe nationale. Donc, il m'a sollicité. Donc, il est venu. Il était au Brésil, en stage, l'équipe d'Algérie. Un coach m'a dit, c'est Rio de Janeiro. Moi, je préparais la Coupe du Monde des clubs. Avec mon club saoudien, Nasser Saoudi, on était à Sao Paulo. Donc, il est venu, on a discuté. Donc, j'ai donné mon accord. Il m'a donné les grandes lignes, qu'est-ce qu'il attend de moi et tout. Et moi, j'étais partant. Après, on et était. Lui, il avait cette fameuse phrase je n'attendrai pas Ben Abia, j'ai Moussa Saïd. C'est bien Nasser, c'est très bien. Exactement, il a toujours ça dans. Moi aussi, j'ai. Nasser ne me considérait pas comme un joueur normal. Voilà. Donc pour lui, j'étais son capitaine, j'étais son confident, j'étais son bras droit. Quoi. Donc c'est pour ça qu'avec Ali Ben Arbi à l'époque, il n'était pas chaud de venir en équipe nationale Belak, à l'époque. Donc c'est pour ça qu'il a fait son choix sur moi. Et la Coupe d'Afrique là, qu'on a jouée, c'était entre le Ghana et le Nigeria. On était dans un groupe un peu difficile. Donc, il y avait l'Afrique du Sud, je crois, avec nous, dans le même groupe. On a joué le premier match contre le Gabon, on a fait 0-0. Et Nasser, il a fait son équipe, on s'en a mis conscience. Donc, justement, il y avait un gros problème dans le groupe Moussa. Oui, j'ai entendu. On disait que sans ce problème-là, j'ai entendu. Cette équipe aurait pu faire mieux. Non, même non. Si vous êtes inquiet face au tenant du titre, le Cameroun. Heureusement. Moussa, on avait parlé d'un problème. Dans le groupe certains joueurs, je ne sais même pas, puisque moi je jouais sur le terrain, j'étais capitaine. Non, Hadro. Ceux qui n'ont pas joué, Hadro. Ils veulent que l'entraîneur il est là pour kabyliser l'équipe. Parce que la majorité des joueurs, c'était tous des joueurs de la JSK. Voilà. Kabyliser, je ne comprends pas le langage Hadro. Chacun est libre à sa conscience de dire ce qu'il veut. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'intérêt de l'équipe nationale. Ceux qui ont joué et porté le drapeau algérien, ceux qui étaient remplaçants ont porté le drapeau algérien. Notre but, c'est ça, c'est de représenter l'Algérie. On a fait match nul, on dirait qu'il y a des joueurs qui étaient contents. Oui, ça commence à parler, moi je me rappelle. Tu m'as dit qu'il y a des joueurs, les Hadouk, les Mouhtadjib, qui ont joué le Farhani, le résultat de l'Oulani. C'est une faux pas, on va dire. Voilà, c'est un, voilà. Les Malabouch. Après, moi, en tant que capitaine, j'ai déclenché une réunion avec l'entraîneur. Je dis, voilà, il y a un problème. Je dis, si on continue comme ça, on va droit au mur. Et l'entraîneur, on a discuté pour crever l'abcès. Après, je dis à tous les joueurs, Max, celui qui a un problème avec l'entraîneur, il est là, il va vous expliquer tout. Qu'est-ce qu'on reprochait à Sanjak? De faire jouer les joueurs de la JSK, les joueurs d'origine kabyle? Oui, c'est ça. En tout, pour tout, pourquoi vous faites jouer ça et vous ne faites pas jouer les autres? Après, alhamdoulilah, tout est rentré dans l'ordre. Moussa, tu es un
Tu as pris le coro par les temps, Kemerolo, que le vieux pape s'est hein. Eh ben, je dis maintenant, il vaut mieux maintenant qu'après. Donc, sinon, on va droit au mur. Après, tout est rentré dans l'ordre. Après, on a fait match nul contre l'Afrique du Sud. On s'est qualifié pour les quarts de finale. Avec un but de Fouzé Moussouli. Exactement. Ouais. Que tout le monde a critiqué peut-être pourquoi il jouait. Exactement. Là. Ça. Voilà. Donc, et les quarts de finale, donc. Moi, je vais vous faire une confidence, Bahab Beto. Bien sûr, monsieur Moussa, on est là pour. Qui marque l'intérieur dans le cœur, les blés. Je crois que les blés, l'équipe a dû commencer les problèmes. Kouna Kadrin, je vais faire une confidence. Entre moi et Nasser Sandia, on a parlé. Il vaut mieux, en quart de finale, on arrête. On a une pour aller en demi-finale. En quart de finale, bzaf alayna. Déjà, c'est pas mal. Ça, c'est avant l'écart. Hein. D'accord. On a discuté. Donc, c'est pour ça que les problèmes, après, c'était réglé. Dès qu'on a crevé là, le premier match, après, just. Voilà l'histoire. D'accord. Donc, Moussa, Coupe d'Afrique de Mir, surtout maintenant du titre, le Cameroun, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Quart de finale. Ouais. Quart de finale. Il y avait on a fait un gros match. Hein. Très grosse deuxième mi-temps. On est en train de la faire Saifi. Karim, Karim, tout le match. Il y avait une action, mais elle n'a pas fait à Moussa. Tu as dribblé sur le côté. Je l'ai dans la hafée, dribble à la porte. Tu as dit, 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 ça arrive donc après. Tu as dit, ça y est, passe pas. Non, ça c'est dans l'action donc après. C'est normal, je crois que je m'attends à la chaîne là, on en croit à la chaîne là, donc après. Ça ne fait Dieu. Ça ne fait Dieu, oui. C'était un match. Sincèrement, c'est un très beau match. Déjà, même le Nasser, j'ai eu Nasser après, l'entraîneur du Cameroun leur a dit, voilà, vous avez une très très belle équipe. Alors voilà, c'est la seule équipe avec qui on a souffert. D'accord. Donc, Moussa, après 2000, je voulais arrêter ma carrière internationale contre l'AS, après 6 championnats d'Afrique, 6 participations après avoir gagné. Avec 6 cannes. 6 cannes, oui. Là, je pense que c'est 2004. Non, celle qu'on voulait faire Carouf. On était qualifiés sur le terrain. 94. On va faire Carouf. Qualifié, mais malade. Voilà. Impressionnant depuis 90, 92, 14, 16, 5 cannes. 5 participations. Alors, après 2000, il y a eu l'arrivée de Rabah Madjer. Exact. Je me rappelle que tu as fait le انا كنت راح فرنسا وقبل ما انستاليوه قال لك فوالا جو في ريفونير فنو فو با ابوندوني تو ابري جو فولي ريفونير دونك جي بوس سي لوي انا جو انصامبل دونك كونترير ابري مصطفى جو يافي ان بيتي بروبليم دونك مو جيت ا موناكو جيت بليسي جي ربري ابري يافي الفام ماتش الجيري فرنس اكزاكتومون الجيري فرنس دونك مو سي ان ماتش ديكزيبيسيون سي ان ماتش دو بريستيج. Moi, c'est ce que je reprochais à l'époque à Mustapha. Donc, bon, ça, c'est du passé. Oui. Donc, moi, je dis que quand ma carrière était toute en France, j'ai repris. Je dis, la moindre des choses, c'est d'avoir une convocation, au moins, pour, même si je ne joue pas, pour participer. J'allais aborder dans ce sens, Moussa. Oui, j'ai compris. À la belle femme, tu es un morceau. Avec la carrière, tu es un morceau, Moussa. Bizarre. On ne ma petite porte. Non, mais bon. Non, après, tu tenais à jouer ce match. Même j'ai dit je joue pas, c'est un match de prestige entre Algérie et la France depuis l'indépendance, il y avait pas de match entre Algérie et la France. Un match comme ça non. Voilà, un match de prestige, donc j'ai fait ma carrière toute en France, j'ai repris. Je dis même si je joue pas, au moins d'être convoqué dans le groupe. Et j'ai rien reçu, je me suis senti un peu trahi quoi. Donc après je dis quand on te ramène pas pour des matchs comme ça, on va te ramener où? Pourquoi? Après, c'est là que j'ai pris la décision que là, ça y est, je vais plus revenir. Oh, Moussa, c'est-à-dire qu'il m'a dit, c'est incontournable qu'il m'a dit à l'équipe nationale, elle a la GSK, le nom de Moussa Saïd, champion d'Afrique avec la GSK, champion d'Afrique avec l'équipe nationale, qu'il m'a dit, elle a le championnat national. En général, t'as d'accord. Est-ce que tu es d'accord avec les anciens qui disent, bon, il faut arrêter de dire qu'il y a des joueurs locaux qui peuvent intégrer l'équipe A de l'équipe nationale? Tu m'as touché une très très bonne question. Voilà. Aïe à répondre. Donc, Anna, je réponds à ces gens qui parlent, on n'a pas de joueurs locaux, c'est ça? Oui. C'est quoi? Moi, je te réponds à une autre question. C'est quoi le but d'organiser une équipe A prime? C'est quoi l'intérêt?
Elle devrait être l'antichambre des hommes. Très bien. Pourquoi il n'y a que des locaux, on n'est pas prêt? C'est ça, c'est la question que je pose. Ouais. Des gens qui parlent de ça, normalement, puisqu'il n'y a pas de locaux, il n'y a pas de joueurs locaux, déjà, l'équipe qui s'est qualifiée au JO, c'est que des locaux. Oh là là là. Ou après Mahdi, elle est composée que des locaux. C'est l'antichambre de l'équipe A. Exact. Donc, puisqu'on n'a pas de locaux enlevés, il y a une équipe après Mahdi, il y a des joueurs de Mbarda. Oh là là là. Et point d'interrogation. La JASCA d'aujourd'hui te fait rêver? Non. Sincèrement, malheureusement. Malheureusement, la JASCA, tu me parles de maintenant, bien sûr, hein, parce que le résultat parle d'elle-même. Oui, oui. Donc, ce n'est pas une équipe qui te fait rêver, elle ne fait pas rêver tout le monde. Hein. Je n'ai pas vu quelqu'un qui va te dire... C'est un avis personnel qu'on doit respecter. Parce que l'équipe, elle est mal classée, elle joue que la survie, elle n'arrive pas à décoller, donc elle ne peut pas faire rêver. Quelle est l'équipe en Algérie qui, vraiment, son football, il te plaît? Harrach. Harrach de Sherif ou non? Oui. Harrach de Boualem Sherif. Mais on lui reproche de ne pas gagner des titres, Moussa. C'est vrai, qu'il fait rêver, qu'il a un bon football, qu'il a un football propre, qu'il joue bien au ballon, donc pour moi, hein. Après... Et l'équipe qui fait sensation cette saison, c'est Tajnant. Oui. Avec son entraîneur, Lemem Bourlala. C'est un entraîneur à qui il faut tirer chapeau. L'USMA qui écrase la concurrence, bon, ça ne surprend pas. Non, ça ne surprend pas. Tbalek, cette saison, début de saison, Tbalek, la JSK, Steph, Mouloud, Yabalek, ils vont concurrencer. Mais en fin de compte, ils ont décollé. Quoi. Ils ont pris de l'avance par rapport à... Allez, on va terminer avec peut-être un titre gagné en Angleterre, parce qu'on dit qu'en Algérie, on attend toujours un Algérien gagner un titre en Angleterre. Mm-hmm. Est-ce que vous avez un titre à Tottenham? Si, j'ai le Carling Cup. Carling Cup, bah, c'est oui. Inscrit dans votre palmarès? Il restera toujours, il ne bouge pas. Ah, il y a la dernière question, ou une avant-dernière, est-ce que c'est qu'elle a Riyad Mahrez, le phénomène en Angleterre, fait Tottenham, plutôt il a annoncé à Tottenham, Arsenal, Manchester City. Leicester, ouais. Est-ce que tu vas jouer les Rahm Leicester ou l'Azmi Zidane? Sincèrement, si Leicester sera champion ou vice-champion, je crois qu'il va rester là-bas. Il va rester comme maintenant, Balek, les conditions vont changer pour lui. Donc c'est un club où il se sent très très bien, donc je crois qu'il va rester. Claudio Ranieri ne me cache pas d'accord. De qui Belk a changé de stratégie. Belk a compris comme quoi le football, ça faut le changer. Quoi. Nabil Ben Talib, Tottenham, tu penses qu'il va rejouer? Parce que ça va être presque maintenant. Alors, on va trouver la Tanzanie. Tu sais, dans le domaine professionnel, Hadaya, c'est un peu délicat. Hein. Donc, comme en Angleterre, il y a beaucoup de joueurs professionnels. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, Nabil, il était titulaire. Voilà. Il est parti, il s'est blessé après, il est parti en sélection. Ouais. Celui qui l'a remplacé, il a donné satisfaction, tu ne peux pas le changer. Après maintenant, il a roulé le tour maintenant. Mm-hmm. Il faut qu'il prenne son mal en patience. Et... C'est quelqu'un sur qui on ne parle pas beaucoup, malheureusement. Ah. Oui. Qui fâche-moi ça? Mais Hadouch Ali Abizaf, et ça c'est un point, c'est un avis personnel. Ce qu'il fait Slimane dans la continuité, dans la durée, il est mieux que Brahimi. Pour moi. C'est-à-dire dans la continuité, parce que Brahim, c'était. Tu veux dire qu'il est plus régulier? Voilà. Dans les performances. C'est le mot que je cherchais, donc il est plus, mais on ne parle pas beaucoup de lui. Malabaliche. C'est pas moi qui. Moi, je parle de lui, il n'y a pas de souci. Donc, ce qu'il réalise peut-être parce qu'il est parti d'ici, non? Non, au contraire, c'est un honneur. Il a montré de quoi il est capable de faire à l'école algérienne. Vous y croyez à l'école algérienne, ou ça? Je crois. Je crois beaucoup. Sincèrement. Parce que Nas Ouchikolek, on parle de Brahim Ibn Talib, Mahrez, et ainsi de suite. Mais Hadouya, qu'est-ce qu'il y a nous avant? C'est pas le même Brahim d'avant qui est maintenant. Avant l'été, il n'était pas comme ça. Il a côtoyé notre championnat, il jouait, il a progressé. Slimane, c'était kiff-kiff. Donc les joueurs Hadouya locaux, la patte, elle existe. Il faut la modeler. D'accord. Si tu la mets dans de bonnes conditions, elle te donne des fruits. La khalita hak d'ailleurs, elle ne te donne rien du tout. Allez, on va terminer avec l'étoile.
Je l'ai dit plusieurs fois à l'époque, on dirait qu'on avait honte. Qabel met de l'équipe l'étoile. Après, alhamdoulilah, maintenant, elle est toujours. Mais ce qu'on demande aux responsables du football algérien de ne pas oublier cette génération. Au moins, un minimum de reconnaissance pour cette génération. Allez, un petit mot pour. Ben, merci pour l'interview que vous m'avez accordé. Donc, ça me fait un peu rappeler un peu le passé. Donc, ça m'a un peu ressourcé un petit peu. Je pense que le Mouchaïdin, restez fidèle à la télé Al Hadaf. Merci beaucoup. Je t'en Moussa, on passe maintenant au maillot des différents clubs directs. La collection, exactement. La collection des maillots. باش نبداوهم من التحت ولا من الفوق ولا بالبداية نبداو بالبداية يا خلاص انا حابين نخليهم الله فاهم يا راجل نبداو بالبداية يا راح دونك موسى مايو J'ai gardé ça les maillots les plus importants liyanaya donc kitchouf hadaya c'est la seule coupe d'Algérie li عندي anaya في الجزائر avec la JSK en plus de ça il y avait un président qui nous a remis Mohamed Boudef la rahmou donc voilà kitchouf on a joué contre Chlef c'était à Oran donc on a gagné 1-0 donc j'ai gardé précisément ce maillot quoi. Noor Ben Zikri en parlait là ? Non, il y avait, mais chez Noor Ben Zikri, il y avait. C'était Noor Ben Zikri, je pense, qu'il y avait aussi une pension marquée à Maouch, la fin. À Maouch, marquée. C'était Noor, c'était chez Kadri, Mohkad. Là, Noor Ben Zikri. Ah bah, tu vois, quand j'ai fait 92, là, tu es les gars. Donc, c'est. Ça veut dire qu'on a deux étoiles, là, que le Wacht. Qu'on a deux étoiles, ça. Oui, deux étoiles. Et deux étoiles les plus importantes en plus. C'est la Ligue des Champions. Exactement. Tu as 81 ou 90. 10 ans après, l'étoile, quand on camarade à Davis, c'est bien ça. Ce sont belles les étoiles aujourd'hui. Oui, ça me fait très bien. Donc, comme le buteur, là, le Hadaf et le buteur, ils ont commencé à organiser le ballon d'or algérien. Donc, là, c'était ma deuxième année, l'idée de Hanaya. Donc, la première année, quand Bouma dit. En Algérie, on va dire. Oui, en 2004. Donc. J'ai arrêté déjà le championnat Mennaya. Oui. La consécration avec ça. C'était un match, on va dire, symbolique. JSK Béni, le Chéria. C'était choisi ou là ? Non, c'était le hasard du calendrier. Donc, on a joué le dernier match. Donc, c'est mon dernier match de ma carrière. Donc, j'ai gardé. J'ai un maillot que j'ai donné et l'autre je l'ai gardé. Comme on a le droit à deux maillots, elle a comme toi derrière. Donc, elle trouve même la date, elle est le 20 mai 2004. Le match de ma carrière. Ouais. C'était à en plus. En plus, on a gagné 3-0. J'ai quitté le terrain à 10 minutes ou à 5 minutes de la fin. Ken Edjoudé, c'est lui qui était. Comment dire qu'un entraîneur. Il y avait l'ovation d'un peu. Waouh, c'était dur. Hein. C'est émotionnel, sincèrement. C'était un. Très très beau cadeau qui m'a été offert par le public de la JSK. C'est le refrain qui revenait. Oui, d'accord, Aoudoula qui compte entraîner, enfin Aoudoula. Le passage exact. Exact. Mais c'est juste pour revenir, faut pas. Oui. Il y a un certain Zidane qui t'a remis symboliquement. Sur... Exactement. Là, le ballon d'or, je me rappelle, je me l'ai remis à l'hôtel Orassi officiellement. Et à titre honorifique, donc on a fait un déplacement à Madrid spécialement pour ça, pour le ballon d'or symboliquement par les mains de Zizou. Quoi, donc, c'est quelqu'un que je connais, et qu'on a joué contre la LFK avec Bordeaux, que tu observes. On en parlera. Donc, des stars, tu en as joué, Qui te l'aide dans trois championnats différents, ils font partie des trois meilleurs championnats du monde. Ouais. Français, anglais, espagnol. L'armada de stars, les lèvres contre les gens ont cette tendance à oublier que tu as fait beaucoup de clubs et aussi beaucoup de championnats. Les gens, c'est les jeunes. Hein. C'est de toute façon, jeunes. On va parler à toi. On en parlera. Très bien. Alors, pour nous, les différents championnats étrangers, un des tantinants, le maillot d'or et le maillot
J'ai gardé deux maillots à Tottenham. Donc le blanc, c'est un maillot où, quand on joue à domicile, là, à domicile. Et le mauve quand on joue à l'extérieur. Quoi. Donc, Peu de gens le savent, mais j'ai aussi joué pour l'AS Monaco. Je crois que j'ai fait un tour du monde, là. Bah, le maillot l'indique, voilà. Donc, c'était en 2002. Non, 2000, c'est parfait, là. 2000, ouais. Donc, après Auxerre, après Monaco. Après, voilà. C'était un retour à l'Arabie Saoudite. Exact, oui. Non, mon retour, vous êtes là, Auxerre. Je vais gâter une année avec Auxerre. Après, j'ai changé, j'ai signé un contrat de 2 ans avec Monaco. Quoi. Moussa, le meilleur pour la fin de la collection d'Yalek. Ou mazal, hein, mazal berk. Mazal berk. Mazal berk. Nabdaou bha hadaya, on clôture avec ça. Raji Auxerre, il ressemble beaucoup le maillot des petites paires à la première Coupe de France. Tu as été buteur. Parce que le maillot, c'est vrai, c'est le ressemble. C'est par rapport à la marque, au sponsor officiel de la Coupe de France. Voilà, c'est un match, il n'a rien à voir avec la Coupe de France, mais je crois que le ballon, il veut dire beaucoup de choses. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions où j'ai gardé comme souvenir pour ma collection, pour mes enfants, l'Ouled et Choufoua, où on fait partie des premiers clubs en France qui a joué Tabakri, parce qu'à l'époque, il n'y a que les champions qui jouent à Hadia. Il n'y avait pas le deuxième, troisième, il n'existe pas. On était dans un groupe très très difficile. Il y avait l'Ajax, il y avait Grasshopper de Zurich, la Suisse, il y avait Glasgow Rangers. On s'est qualifié pour les quarts de finale. On était premier du groupe, on a joué Dortmund, on s'est fait éliminer en quarts de finale. Donc, Balek Nesma à la balance, je suis quart de finale de la Champions League. Voilà, Moussa. Donc c'est preuve à l'appui. Voilà. Moi je vais pas dire que je suis le premier à jouer à la Champions League. C'est vrai. Parce que Balek Nesser, tout le monde joue. C'est vrai. Il y avait Majel qui jouait dans une. Ça ne s'appelait pas la Champions League. C'était la Ligue des vainqueurs des champions. La Coupe d'Europe des clubs champions. Allez, c'est la Champions League. Après, nouvelle, où il n'y avait que les champions de chaque pays, que les champions, les premiers, ce qui est logique. Je ne peux pas avoir un deuxième qui sera champion. Non, vous savez que Dortmund, il est combien de dates en finale? On était éliminé par le vainqueur de la coupe. Ouais. Voilà. حسمات دردي وثي السماوات هذه لا يدرى